Cher Thaï, maître bien-aimé et respecté, et chère communauté bien-aimée, bonjour. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre de l'an 2018 et on est au Temple de la Bonté Aimante, ici au Hameau Nouveau, pendant notre retraite des pluies de 90 jours. Et je regardais un peu sur le planning et je voyais aujourd'hui nous sommes la cinquième semaine de la retraite des pluies et donc c'est un moment des journées très précieuses. Récemment au Hameau du Bas, nous avons nettoyé notre étang de lotus. Et c'était une journée très joyeuse où il y avait du travail communautaire hein, et une partie des amis et des sœurs ont nettoyé l'étang de lotus. Et le matin, je m'étais assise avec une amie et j'avais contemplé l'étang. Il y avait une fleur, une seule fleur de lotus qui était restée épanouie. Mais tout autour, il y avait encore les feuilles des autres fleurs de lotus qui est déjà pas mal fanée. Et l'étang, ensuite, en fin de journée, l'étang, il ne restait, il y avait l'eau, il n'y avait plus du tout les feuilles, sauf la fleur de lotus avec une feuille à côté. Et c'était magnifique parce que le matin, elle était un peu perdue, entourée de ces feuilles fanées, et le soir, elle pouvait se montrer dans toute sa beauté. Mais ce qui était aussi magnifique, c'est qu'à côté de cette fleur, hein, du moins quand je suis passée, il y avait plein de statues debout qui bougeaient. Il y en avait certaines qui étaient allongées dans l'eau et faisant des différentes postures. Hein. Il faisait doux et assez chaud. Et donc c'était plusieurs de nos amis. Et je sais aussi que l'après-midi, il y avait certaines de mes sœurs qui se sont réjouis de jouer dans la boue, de nager dans la boue. Et en même temps, il y avait cette magnifique fleur de lotus épanouie. Et donc, après, elles étaient toutes la peau brillante. Hein, et elles sont sorties de la boue. Et cette très belle image que sans boue, pas de lotus. Hein, donc, prenez des bains de boue. Et vous serez des magnifiques lotus. Et aujourd'hui, le thème qui m'a été offert, et c'est un thème que en fait, j'aime beaucoup, c'est nous allons ensemble étudier le livre qui s'appelle « Un lotus s'épanouit ». Ce livre de méditation guidée. Et j'aimerais savoir combien d'entre vous pratique déjà avec ces méditations guidées. Vous pouvez lever la main. Ok, donc il y a quelques personnes hein, qui connaissent ce livre. Donc nous allons regarder ensemble aujourd'hui comment nous pouvons utiliser ce livre, comment utiliser ce trésor hein, qui nous est offert par notre maître et la Sangha. Donc comment nous pouvons nous en servir dans notre quotidien. Et c'est un cadeau très précieux. Un lotus épanoui en anglais, c'est « blooming of a lotus ». Et en français, on a beaucoup de chance, hein, parce que le livre vient tout juste d'être réédité et il est beaucoup plus complet qu'il n'était, beaucoup plus complet aussi que la traduction, le livre en anglais. Donc, si vous ne parlez pas le français, je vous encourage à apprendre le français. La caractéristique du livre en français, c'est qu'il y a quelques méditations de plus, mais particulièrement des méditations, en fait, des textes que notre maître nous disait pendant toute une retraite d'hiver, tous les matins, une retraite et aussi différents sutras qui ont été mis à la fin. Donc c'est un livre assez complet. Mais le livre en anglais est très bien aussi, hein, vous avez les invitations.
Et une phrase dite par notre maître, c'est « La méditation n'est pas une évasion, c'est une rencontre sereine avec la réalité. » Donc c'est comment méditer, mais pas pour s'évader, mais pour vraiment être là avec tout ce qui se passe dans notre quotidien. Et il y a une histoire qui est dans un des sutras du Bouddha. C'est un jour, le Bouddha se promenait dans des champs, et c'était la saison des labours. Et il y a un fermier qui l'a arrêté, le fermier du nom de Bharadjava. Et il déclara au Bouddha avec un certain mépris en disant « Nous sommes des fermiers, nous labourons, semons des graines, fertilisons le sol, surveillons la croissance des plantes et faisons les moissons afin de se nourrir. Mais vous êtes oisifs, vous ne produisez rien et cependant vous mangez. » Il parlait au Bouddha et à tous les moines et les moniales qui étaient là. « Vous êtes inutiles, vous ne labourez pas, ne semez pas, ne fertilisez pas, ne surveillez pas les récoltes et ne faites pas les moissons. » Et le Bouddha lui répondit, « Détrompez-vous, nous aussi, nous labourons, semons, fertilisons, surveillons la pousse et récoltons. » Et le fermier lui a dit, « Mais où sont vos charrues, vos buffles et vos graines? Quelles récoltes surveillez-vous? Lesquelles récoltez-vous ? » Alors à ce moment-là, le Bouddha lui a expliqué, « Les graines sont notre foi dans la pratique. La terre est la vraie nature de notre esprit. La charrue est notre pleine conscience. » Et le buffle, notre pratique assidue. Et notre récolte est l'amour et la compréhension. Alors, comment prendre soin de notre corps et de notre esprit? Comment pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous guider notre esprit? Notre esprit, il nous emmène dans plein de différentes directions qu'on ne veut pas forcément aller. Donc, comment le guider? Et souvent, quand nous commençons la méditation, on s'assoit et on s'aperçoit que notre esprit, il va très très vite. En fait, on n'est pas capable de voir toutes les pensées, ce qui se passe dans notre esprit. Et donc, on va pratiquer l'arrêt, mais en fait, l'esprit, il continue à tourbillonner. Et c'est très doucement, avec patience, qu'on va pouvoir le ralentir. C'est comme un fan. L'été, quand il fait très chaud, donc il y a des fans, et ça tourne. Si on l'arrête, il va... Un ventilateur. Quand on l'arrête, il va continuer à tourner. Et en fait, on ne peut pas voir, on voit juste quelque chose qui tourne. Et quand on l'arrête, ça va prendre un certain temps pour qu'il se ralentisse et pour qu'on puisse vraiment distinguer, comment ça s'appelle, les pales, pour pouvoir distinguer les pales et les voir jusqu'à l'arrêt complet. Et c'est la même chose avec notre esprit. Ça prend un certain temps pour le ralentir qui se pose, et après on peut discerner et voir nos différentes pensées, ce qui se passe dans notre esprit. Alors, dans la tradition bouddhiste, la méditation transforme et guérit. Elle va nous permettre de restaurer notre être, la totalité de notre être. Elle va nous permettre d'être frais, stable et concentré. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir regarder profondément qu'est-ce qui se passe devant nous, qu'est-ce qui se passe en nous. Et on va pouvoir voir clairement la réalité telle qu'elle est. Alors, quelle est l'énergie qui nous permet d'arriver
à faire cela? Comment parvenir à cela? Quelle est cette énergie? La pleine conscience, c'est ça. La pleine conscience, c'est cette énergie qui va nous permettre d'être conscients de ce qui se passe en nous et autour de nous. Et elle va éclairer l'objet de notre méditation. Elle nous permet de nous mettre en contact avec la vie, ici, maintenant, dans le moment présent. On va écouter un son de cloche. On va retourner à notre corps, revenir au moment présent. J'inspire, j'expire. Alors, ce livre, Un lotus s'épanouit, qui est un manuel de méditation guidée. Et ces méditations guidées, bien sûr, nous les utilisons pendant l'assise, mais aussi nous pouvons nous en servir quand nous marchons, quand on fait une marche méditative, mais aussi dans notre quotidien. Par exemple, quand nous mangeons, nous pouvons, parce que la plupart du temps, notre esprit est distrait. On n'est pas vraiment là. On est en train, par exemple, ce matin, je contemplais pendant le petit déjeuner. Je voyais, l'esprit peut être distrait. Il va partir regarder les personnes qui sont en train de manger autour de nous, ou regarder ce qu'il y a dans l'assiette de la personne en face de nous, ou partir dans le futur, ou retourner dans le passé, dans les soucis, dans les regrets du passé. Et en fait, ces méditations guidées, on peut trouver parmi ces méditations des méditations qui vont nous aider. Que je reviens, et la première chose, c'est revenir à notre corps. Donc je reviens à mon corps est assis là, sur un banc, sur une chaise. Il y a mes mains qui tiennent le bol ou l'assiette, la cuillère, la fourchette. Quel mouvement je fais? Je regarde la nourriture, quand la nourriture vient. Donc on est vraiment en conscience avec le corps, la nourriture que je mets dans ma bouche. Est-ce que je mange et puis j'enfile comme ça et j'avale à toute allure, ou alors je peux savourer, sentir les différentes textures. Et ensuite, je peux contempler d'où vient la nourriture avec un regard profond, une vision profonde. Et donc c'est les méditations guidées qui nous sont offertes. En fait, elles peuvent être utilisées aussi à plein différents moments de la journée. Donc ce n'est pas uniquement dans l'assise. Bien sûr, elles vont nous aider dans l'assise quand on est là, et pour nous aider à faire un travail de transformation et de guérison. Alors ces méditations, elles viennent de sutras. De sutras, ce sont des textes relatant les enseignements du Bouddha. Et principalement de deux sutras. Et dimanche dernier, si vous étiez là, la sœur abbesse du hameau du bas, sœur Ho-Nim, elle en a parlé un peu du Anapanasati Sutra et de Satipatthana Sutra. Alors, le sutra de la pleine conscience de la respiration, il est traduit à partir du Pali de l'Anapanasati Sutra, qui est le numéro 118 du Majjhima Nikaya. Et l'autre, c'est le Sutra des quatre établissements à la pleine conscience, qui est traduit à partir du Satipatthana Sutra numéro 10 du Majjhima Nikaya. Je l'écrirai sur le tableau du canon Pali. Et avant d'offrir ces méditations guidées sous forme de livres, elles ont été mises en pratique pendant des retraites. Elles ont été offertes par notre maître et au cours des années, et aussi par la Sangha, par nos enseignants laïcs et monastiques. Et donc, elles ont été mises ensuite sous forme de livres, parce que les amis ont demandé à ce qu'elles soient mises sous forme de livres.
Et donc, c'est vraiment le fruit d'une très longue expérience de pratique qui est là. C'est pour ça que je dis que c'est un trésor. Hein. Parce qu'en fait, elles nous guident et elles nous soutiennent. C'est comme si vous avez toujours Thaï et la Sangha avec vous. Donc, on ne sait pas, je ne sais pas quoi faire avec mon esprit qui m'emporte. Et donc, on peut prendre le livre et choisir une méditation guidée. Et ça va nous se concentrer dessus, regarder, et nous aider à mettre notre esprit dans une direction dans laquelle on souhaite aller. Plutôt que ce soit l'esprit qui décide où il veut aller, c'est nous qui allons décider où est-ce que je veux emmener mon esprit, où est-ce que je veux porter mon attention. Anapana. Sati. Sutra. Bon, oui, le sutra. Sati, c'est du pali. Et en sanskrit, c'est le mot smriti. Smriti. C'est comme ça. Et au Amodio, dans la grande salle de méditation, il y a un vitrail. Vous savez ce que cela dit, le vitrail? C'est ça, voilà. Il veut dire donc la pleine conscience, hein, la concentration et la vision profonde. Smriti, Samadhi, Prajna. Comme ça. Donc c'est et le Bouddha dans l'Anapanasati Sutra, le Bouddha enseigne une méditation guidée sur la respiration. Ce sont 16 exercices et notre maître très très souvent a enseigné sur ces 16 exercices ainsi que nos frères et sœurs enseignants du Dharma. Donc vous pouvez trouver aussi à disposition et dans beaucoup de livres de Thaï, ces 16 exercices c'est une merveilleuse méditation guidée. Donc beaucoup des méditations guidées du Lotus s'épanoui sont basées sur ces 16 exercices. Donc le premier, c'est la respiration pour être en pleine conscience du corps. Hein. Je vais écrire le corps. Donc, et chaque partie a quatre lignes. Ensuite, c'est la respiration pour être en pleine conscience des sensations. Et c'est des sensations agréables, désagréables ou neutres, quand elles apparaissent, durent et disparaissent. Et ensuite, c'est la respiration pour être en pleine conscience de l'esprit. Et l'esprit, c'est citta. Et ce sera les formations mentales. Et ensuite, ce sont la respiration pour être en pleine conscience des objets de l'esprit. C'est-à-dire tous les phénomènes. C'est-à-dire que chacune de nos formations mentales doivent avoir un objet. Si par exemple je suis en colère contre quelqu'un ou quelque chose. Donc l'objet de mon esprit, si je suis en colère, je vais être envahi en fait par la pensée de la personne qui m'a mise en colère, l'objet de mon esprit. Ou alors, là je peux être, si je suis en pleine conscience de ma main, l'objet de mon esprit, ça va être ma main. Et bon, autre chose, hein, je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais voilà. Le deuxième sutra, c'est le Satipatthana Sutra.
Alors, ce sont les je vais peut-être écrire en français là. C'est la pleine conscience de la respiration, ici. Ou on peut dire aussi l'attention à la respiration, au souffle. Et le Satipatthana Sutra, c'est les quatre fondements de la pleine conscience, ou les quatre établissements de la pleine conscience. Et sati aussi, on retrouve aussi le mot sati, comme ici, on pourrait dire smriti patana sutra ou sutra, qui est la pleine conscience, c'est en pali, donc en sanskrit, la pleine conscience. Ça veut dire aussi, la pleine conscience, ça veut dire se souvenir, se rappeler. Et en chinois aussi, en chinois le mot, et donc c'est sati qui veut dire pleine conscience, et upatana, parce que là on enlève le U et retiré, mais ce serait upatana, et ça veut dire le lieu de demeure, l'établissement. Et en chinois, le titre en chinois, je ne peux pas vous faire le signe chinois, parce que je ne parle pas, c'est nyanchu. Et nyan, ça veut dire être attentif à, consacrer son attention à, ou se souvenir de. Donc, si je me souviens de ma respiration, donc, je vais être, ma respiration va devenir, je suis la respiration. Ça veut dire, et tu signifie le lieu de demeure, l'acte d'habiter. Si je suis en pleine conscience de mon corps, je vais habiter mon corps. Or, la plupart du temps, nous n'habitons pas notre corps. Notre esprit est là-bas, notre corps ici. Donc c'est comment habiter notre corps. Et donc les quatre établissements, les quatre fondements de la pleine conscience nous aident. Donc aussi, tout comme l'Anapanasati Sutra, le premier établissement de l'attention est fondé sur le corps. Et on dit, le corps, c'est l'observation du corps dans le corps. Ensuite, les sensations dans les sensations. Et le troisième établissement de l'attention fondé sur l'esprit. Les contenus de l'esprit. Donc, c'est l'esprit dans l'esprit. Alors, c'est les états d'esprit aussi. Ça peut être comme la confusion, la colère, la concentration. Et le quatrième établissement est fondé sur les objets de l'esprit. Donc les objets de l'esprit, les phénomènes ou les dharmas, avec un petit dé, on va mettre les dharmas dans les dharmas. Ce sont les phénomènes. Alors donc, et là, sur les dharmas, dans les dharmas, l'objet de l'esprit, donc c'est l'objet de notre attention peut-être, soit notre souffle, soit par exemple mon orteil ou mes doigts, ma main,
Ça peut être une sensation, une perception, ou alors une forme. La forme, par exemple, si je peux, l'objet de mon esprit peut être par exemple Michèle qui est assise devant moi, et je peux voir, par exemple, si je regarde profondément elle, je peux essayer de me mettre à sa place, devenir elle, voir toute sa lignée d'ancêtres. En fait, on a l'expression se mettre dans les chaussures de l'autre. Pour pouvoir vraiment comprendre quelque chose et quelqu'un, il faut pouvoir pénétrer dans cette chose-là. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de séparation entre la chose que l'on contemple, que l'on observe, et nous-mêmes. Donc c'est tout un travail intérieur. Hein. Donc si nous voulons voir et comprendre, nous devons pénétrer l'objet et devenir un avec lui. C'est-à-dire la pleine conscience, c'est se mettre vraiment, on doit être complètement présent, soi-même complètement habité, s'habiter, être là, dans notre lieu de demeure, hein, et on va pouvoir aller de plus en plus profondément en nous-mêmes, hein, retirer les séparations que on a imaginées, que l'on s'est mis devant nous, entre nous et le reste du monde. Et si on contemple, par exemple, si je contemple Michèle, là, qui est là, devant moi, et donc je peux m'apercevoir que l'observateur et ce que j'observe, nous ne sommes pas séparés l'un de l'autre. Et donc c'est pour ça que l'on dit le corps dans le corps. Hein. C'est-à-dire on n'est pas à l'extérieur du corps. Hein. On doit être un dans notre corps, participant. Pas simplement je suis là et je regarde. Au début, on va être observateur. Hein, mais au fur et à mesure de la pratique, hein, avec la méditation, on va devenir vraiment un avec ce que l'on observe. Hein. Ça ne va plus être intellectuel. Hein. Et il ne peut y avoir que la transformation si l'observateur participe. Et là, dans la science actuelle, on peut voir combien aussi les choses se changent quand la personne, quand on regarde, les choses se transforment et changent. Vous suivez un petit peu ce que je vais dire? Dans la science quantique, beaucoup on trouve dans la science actuelle énormément de découvertes. Ce que le Bouddha avait et de grands maîtres ont trouvé, en fait, maintenant la science peut le prouver. Ouais. Il n'y avait pas besoin de le... Bon, on a besoin de le prouver. Mais... Donc, quand nous inspirons, j'inspire, hein, et nous savons que nous inspirons, donc l'existence de notre souffle devient très évidente. Hein, et on dit souvent, j'inspire, je sais que j'inspire. Mais il y a une différence entre se dire, bon, oui, je sais que j'inspire, et petit à petit, au fur et à mesure, avec la pratique régulière et quotidienne, en fait, il va y avoir le souffle. C'est-à-dire, j'inspire et je sais que j'inspire, et vraiment, et il y a le souffle, la respiration qui est là. Pas simplement une idée que je suis en train d'inspirer. Il n'y a plus de dualité entre l'observateur et le souffle que l'on observe. Il y a le souffle, la respiration. Et on s'aperçoit que l'on est devenu calme. Le souffle s'est apaisé, notre corps s'est apaisé. On va écouter un son de cloche. Hein. Alors ces quatre établissements à la pleine conscience sont l'essence de notre demeure. Hein. Ils sont vraiment l'essence. C'est sans eux, notre maison, qui est notre maison, notre corps est abandonné. Notre maison est abandonnée. C'est-à-dire on s'en occupe pas, on la balaye pas, on la nettoie pas, elle est en désordre.
Et si on regarde notre esprit et notre corps, hein, si on n'est pas vraiment dedans, l'habite pas, alors notre corps est négligé, nos sensations, on a plein de souffrances, hein, plein d'afflictions. Mais si on est vraiment là, chez nous, alors nous sommes un lieu de refuge pour nous-mêmes et pour les autres. Et là maintenant, je vais plus maintenant me consacrer un petit peu plus sur l'étude du livre. Alors toutes ces méditations guidées ont un but différent. Alors il y en a certaines qui sont plus pour nous nourrir, pour ramener de la fraîcheur en nous, de la stabilité, de la joie, être plus être en contact avec la vie autour de nous. Et d'autres qui elles servent pour des mêmes buts. Et il y en a certaines qui vont se suivre, c'est-à-dire c'est bien, on en fait une, et puis après on pourra choisir une autre. Et certaines qui sont un peu plus complexes, et certaines ça sera mieux d'attendre, d'être plus solide dans la pratique pour les utiliser. Alors je vais passer à travers le livre, parce qu'il y a un certain ordre qui a été donné. D'abord avec le corps, les sensations, l'esprit, les objets de l'esprit. Alors, ce que l'on va faire ensemble. Alors, quand nous utilisons ce livre, on peut choisir quelles sont les méditations qui sont les plus appropriées, qui sont à nos besoins, aux circonstances de notre vie. Donc on peut regarder de quoi j'ai besoin en ce moment, de quoi j'ai besoin. Et elles vont nous aider à éclairer aussi un peu tous les recoins de notre esprit. Il y a des recoins que quelquefois on n'aime pas trop aller, mais en fait dans la méditation ce n'est pas une évasion, comme je disais au début, mais une rencontre sereine avec la réalité. Donc c'est pouvoir regarder totalement tout notre être. Dans tous ces recoins. Quelquefois, nous avons des recoins sombres où on n'aime pas trop aller dedans. Mais j'aime beaucoup utiliser l'image de la glace. On a des endroits qui sont glacés à l'intérieur de nous et qui sont comme des poids. Et c'est avec la lumière de la pleine conscience, l'énergie de la pleine conscience, la méditation, ça va éclairer et ça va faire fondre en fait ces recoins sombres, toutes ces souffrance cachée. Et donc, certaines méditations nous aident à reprendre contact non seulement avec notre corps, notre esprit, mais aussi avec la famille, la société et avec le monde dans son ensemble. Quelquefois, nous sentons seuls. Et donc, ces méditations vont ouvrir un chemin de guérison. Et c'est important de ne pas sous-estimer le pouvoir de transformation de l'esprit. Nous avons tous ce pouvoir, hein, cette possibilité de transformer notre esprit. Pour parler un peu de ma propre pratique, j'ai commencé à pratiquer la méditation environ une quarantaine d'années, qui est la méditation est devenue vraiment partie intégrante de ma vie depuis environ 40 ans. Et la première fois que j'ai médité, j'étais assez jeune, hein, vingtaine d'années, et je me souviens, je prenais des cours de yoga, et le professeur nous avait dit, on va faire de la méditation. Et on s'est assis, mais je ne savais pas quoi faire avec mon esprit. Et donc, moi, j'étais là. Et après, c'était bien, moi, j'étais là. Mais ensuite, ce que je faisais, comme j'ai été élevée dans la tradition catholique, hein, ce que je faisais, c'est que je me disais, j'ai rendez-vous avec Dieu.
Je me disais, la méditation, j'ai rendez-vous avec Dieu. C'était un rendez-vous avec Dieu en moi-même. Et donc, et puis ensuite, je me suis aperçue que j'avais besoin de quelque chose pour guider mon esprit. À ce moment-là, je faisais un travail qui me demandait beaucoup de concentration. Donc, dans mon travail, comme il fallait que je sois très concentrée, j'avais déjà construit cet élément qui est très important de pouvoir construire la concentration. C'était une chance que j'ai eue par mon métier de devoir me concentrer, être consciente de mes mouvements, consciente aussi d'être vraiment là dans ce que je faisais. Et donc dans la méditation, mais je sentais que ce serait bien si j'avais quelque chose sur lequel je puisse poser mon esprit. Et à la lecture de livres, j'ai entendu parler des mantras. Et je ne sais pas si vous connaissez tous qu'est-ce que c'est un mantra. Oui, non. Un mantra, c'est une phrase qui peut être en sanskrit ou en français ou en d'autres langues. Mais là, c'était des mantras en sanskrit. Et donc, un mantra que j'ai appris à répéter, en fait, à l'intérieur de ma tête pour garder mon esprit concentré. C'est-à-dire de ne pas le laisser partir dans toutes sortes de pensées. Et donc, c'était l'utilisation du mantra qui, à chaque fois que mon esprit partait dans des sentiments d'inquiétude, de peur, pendant des voyages où mon esprit s'en allait, je ramenais le mantra dans ma tête. Donc, pendant des années, j'ai utilisé les mantras. Et on avait ce qu'on appelle un mala. D'ailleurs, il y en a aussi dans la boutique. Des fois, c'est utilisé comme sorte de bijou, mais en fait, c'est quelque chose qui nous aide. Alors, ici, nous taillons les mantras qu'il offre. Il dit, c'est bien de les faire dans la langue que vous comprenez. Donc, on peut utiliser une phrase. Souvent, on dit, je suis chez moi, je suis arrivé, ou d'autres phrases qui nous parlent. Et on peut ou alors revenir à la respiration et on tourne les graines. C'est dans beaucoup de traditions, il y a cette utilisation des mantras. Dans la tradition chrétienne, avec le rosaire, vous pouvez voir beaucoup. C'est pour aider à l'esprit à revenir. Et donc, pour moi-même, dans ma propre pratique, j'ai vu que ça m'a amené beaucoup de calme, d'apaisement, de solidité dans mon esprit qui se posait et se calmait. Mais je pouvais voir aussi que dans mon quotidien, il y avait certaines difficultés que je n'arrivais pas à aller plus loin. Et donc, en rencontrant l'enseignement du Bouddha et l'enseignement offert par toi et des méditations guidées, en fait, avant, je suis allée dans des monastères japonais dans lesquels on utilisait des koans. Ils sont des koans qui sont des phrases, a riddle, comment dire, rébus, oui, enfin des phrases qui en fait n'ont ni queue ni tête et qui vous aident à percer à travers l'intellect. Et je me souviens que j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a permis d'aller au-delà d'imagination ou de rêverie dans lequel quelquefois mon esprit pouvait être porté à aller. Et ensuite j'ai rencontré les méditations guidées de Thaï. Et ça a été un très très grand cadeau, un très grand cadeau pour moi dans ma pratique. Ça a été vraiment une grande aide pour aller plus profondément en moi-même. Alors comment utiliser ? Donc moi je vais vous dire comment j'ai fait. C'est-à-dire je choisissais une méditation qui m'interpellait. Par exemple, ce que j'ai choisi, je pense qu'une des toutes premières que j'ai choisi, c'était les quatre éléments. Les éléments, la terre, le feu, l'eau et l'espace. Et donc, je me souviens donc, de prendre le livre et
de m'asseoir. Vous pouvez, vous prenez le livre, vous vous asseyez et vous avez, vous pouvez lire la première phrase, vous fermez les yeux et vous répétez la première phrase à l'intérieur de vous. J'inspire, j'expire. Les éléments, je vais voir si c'est... J'inspire, je suis conscient de mon corps. J'expire, je souris à mon corps. Donc on reste, j'inspire, je suis conscient de mon corps. J'expire, je souris à mon corps. Et c'est très important, ce qui est important dans chaque méditation, dans les méditations que l'on fait, de toujours, tout d'abord, être conscient de notre respiration et revenir aussi à notre corps. Et ensuite, on peut aller dans la méditation guidée. J'inspire, je vois l'élémentaire dans mon corps. J'expire, je souris à la terre dans mon corps. Donc on peut, je visualisais, quand je pratiquais, je visualisais tous les éléments solides dans mon corps. Et je me souviens de aussi l'utiliser non seulement dans l'assise, mais aussi en faisant la marche à l'extérieur, et de voir la terre à l'extérieur et la terre en moi-même. Donc terre à l'extérieur, la terre en moi-même. Et on peut aussi, j'inspire, je vois l'élément eau dans mon corps. Donc, où est l'eau dans mon corps? Donc, de contempler, de regarder profondément, où est l'eau dans mon corps? Quels sont, où est l'eau? La majorité de notre corps est composée d'eau. La sueur, la salive, le sang, l'urine, plein de... Donc, où est l'eau dans mon corps, hein? Et de voir l'eau à l'extérieur. Donc, s'il y a un ruisseau, d'entendre la pluie, de voir l'eau. Alors, il y a de l'eau à l'intérieur de mon corps, il y a l'eau à l'extérieur de mon corps. Est-ce que c'est différent, l'eau à l'intérieur, à l'extérieur? Comment l'eau vient dans mon corps? Est-ce qu'elle sort de mon corps? Donc, comme ça. L'élément feu. Donc, c'est comme cela, vous travaillez. Donc, vous prenez une ligne, ensuite deux lignes, et on les amène dans notre esprit, on répète. Et ensuite, on rouvre les yeux, prend la deuxième ligne. Puis on essaye de les apprendre par cœur. Hein. Et le lendemain, les deux premières lignes, peut-être elles vont venir naturellement. Et ensuite, on peut apprendre, dépendant de notre mémoire, trois, quatrième ligne. Et comme ça, jour après jour, on essaye de garder la même méditation pour quelques temps. Pour une semaine, deux semaines, un mois. Pour vraiment travailler avec. Hein. Et c'est pareil, quand je parlais au début du repas, on est assis à table, on revient à notre corps, j'inspire, je suis consciente de mon corps, et je vois la nourriture devant moi, d'où est-ce qu'elle vient? Je vois l'élémentaire, mais je vois la nourriture qui a poussé dans la terre. Donc on peut rentrer en contact avec l'inter-être de toute chose, l'interdépendance de toute chose. Et vous pouvez ainsi... choisir hein, les méditations, méditations qui vous parlent beaucoup. Donc la première chose qui est la plus importante, c'est de venir en contact avec le corps. Donc les méditations guidées, les premières méditations guidées et celles que l'on doit continuer à garder tout au long de notre pratique, c'est revenir vers le corps. La plupart du temps, nous ne sommes pas dans notre corps. Hein. On peut être distrait ou on travaille sur l'ordinateur, hein, ou alors on travaille à un bureau on oublie qu'on a un corps. Hein. Donc c'est comment, surtout si notre corps peut être un peu douloureux ou malade, et on n'a pas envie de s'en occuper, on le met de côté. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une toute petite méditation guidée. Enfin, je vais juste commencer quelques lignes. Et c'est une méditation sur le corps. Hein. On va écouter un son de cloche. J'inspire et je sais que ceci est une inspiration. J'expire et je sais
Ceci est une expiration. Inspiration, expiration. J'inspire, je constate que mon inspiration devient plus profonde. J'expire, je constate que mon expiration devient plus douce, plus profonde, plus douce. J'inspire, j'éprouve du plaisir pendant mon inspiration. J'expire, j'éprouve du plaisir pendant mon expiration. Plaisir de l'inspiration, plaisir de l'expiration. J'inspire, je sais que j'ai un corps vivant, une merveille de la vie. J'expire, je souris à mon corps. J'ai un corps, sourire. J'inspire. Je reconnais l'existence des tensions dans mon corps. J'expire, je relâche les tensions dans mon corps. Tensions dans mon corps. Relâchez les tensions. J'inspire, je sais que je suis vivant. J'expire, je souris à la vie en moi et autour de moi. Vivante, sourire à la vie. J'inspire, je m'établis dans le moment présent. J'expire, je sais que c'est un moment merveilleux. Moment présent, moment merveilleux. Alors, pour cette méditation, j'ai été assez vite. Donc, vous voyez, si vous êtes, par exemple, dans une file d'attente ou assise dans un transport, on peut très bien prendre quelques phrases comme cela et simplement guider notre esprit, amener ces phrases dans notre esprit, ce qui fait qu'on se nourrit d'une façon très saine, on revient dans notre corps, on revient dans l'ici et le maintenant, et on touche les éléments nourrissants, juste le fait que je suis vivant et que mon corps est une merveille. Même peut-être il n'est pas très bien, peut-être il a des tensions, mais c'est quand même une merveille, c'est une merveille. Et de vraiment apprécier ce moment, de savoir, ah, je suis encore vivant, je suis là. Et vous avez pu voir aussi, donc, et on peut les utiliser dans l'assise et en prenant des respirations, des temps beaucoup plus longs entre chaque phrase, une fois inspire, expire et prendre plus de temps. Et il y a des mots-clés qui nous aident à poser notre esprit, qu'on laisse. Ce n'est pas un jeu intellectuel, mais c'est plutôt, on peut répéter, j'ai un corps, sourire. Et essayer de sourire, de vraiment amener un sourire sur nos lèvres, pas juste sourire. Mais j'ai un corps, sourire. Vous verrez, peut-être au début, ce n'est pas si facile, particulièrement si on n'aime pas trop notre corps. Et si on le maltraite, mais petit à petit, c'est apprendre à sourire, entrer en contact ainsi avec le corps. Donc c'est nourrir notre corps et notre esprit. Et donc je vais écrire là les quatre premières phrases de l'Anapanasati Sutra concernant le corps. Donc c'est la première phrase, c'est « J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. » Et donc c'est inspiration. Expiration. C'est reconnaître. Dans la pratique, un des éléments très importants, c'est de
pouvoir reconnaître, reconnaître que je respire, que j'inspire, que j'expire, reconnaître ce qui se passe en moi et autour de moi. Donc c'est être vraiment présent pour ce qui est là. La deuxième phrase, donc c'est la deuxième phrase, c'est « On suit tout le parcours. J'inspire et je suis mon inspiration sur tout son parcours. » Donc on essaye vraiment de, comme le stylo, où on va suivre « J'inspire et je vais suivre toute mon inspiration. » Et voir où est-ce qu'elle va, mon inspiration. Qu'est-ce qui se passe? Puis après, j'expire, je suis mon expiration sur tout son parcours. Donc c'est vraiment apprendre, comprendre notre respiration. Donc, tout le parcours de l'inspire et tout le, de l'inspiration. Et tout le parcours de l'expiration. C'est conscient du corps. Donc, j'inspire et je suis conscient de mon corps. Et j'expire, je suis conscient de mon corps. Et la quatrième phrase de cette, concernant le corps, c'est j'inspire, je calme mon corps. Et je relâche les tensions. J'expire, je relâche les tensions. Dans mon corps. Alors, dans le livre, nous pouvons, trouvons tout un assortiment donc de méditations concernant le corps. Donc c'est revenir à mon corps dans le moment présent, m'établir dans le moment présent, sourire à la vie en moi, le corps détendu, savourer la joie de la méditation. Donc on peut voir qu'elles sont incluses dans ces quatre phrases, la conscience du corps, de la respiration, prendre soin de chacun des organes de mon corps, hein. Et comment je prends soin de ma santé, de ma paix, de ma joie. Et donc, il y a des méditations guidées. Si j'ai envie de prendre soin de mon corps, mais je ne sais pas comment faire. Or, en utilisant une méditation guidée, le micro, il résonne un tout petit peu, non? Ouais, je ne sais pas si... donc, c'est comment... Je souhaite le faire, mais je n'arrive pas à manger des aliments sains ou à faire des choses qui sont saines pour mon corps. Donc, je peux pratiquer avec une méditation guidée, sans me juger, sans me culpabiliser, mais je vais guider mon esprit dans une certaine direction. Dans la direction, par exemple, je souhaite manger des aliments sains, je souhaite m'occuper de mon corps. Donc... Donc cette méditation de prendre soin de chacun des organes de mon corps, de voir prendre conscience des poisons que j'introduis quotidiennement dans mon corps. Il y a une méditation qui va nous aider à reconnaître et juste simplement de nous guider, ça va nous permettre de pouvoir lâcher prise, de voir, ben non, j'ai pas envie de mettre ces toxines dans mon corps. On guide notre esprit à reconnaître. Une chose que j'ai oublié aussi de vous dire, hein, j'ai noté, c'est au début, donc, dans ma pratique de méditation, moi-même j'aimais beaucoup mon esprit arriver à se poser, ce qui fait que j'étais très heureuse et satisfaite d'être dans le silence. Et
Au tout début, quand j'entendais des personnes parler ou vouloir me guider dans la méditation, c'était très dérangeant pour moi, parce que je trouvais que ça interrompait mon calme et ma méditation. Et en fait, j'ai découvert que le pouvoir des méditations guidées, quand elles sont bien faites, parce qu'une méditation guidée, il faut que la personne qui guide ait une certaine stabilité, solidité, et aussi elle-même pratique. Ce n'est pas juste une répétition, mais c'est quelque chose qui vraiment va nous aider à descendre profondément à l'intérieur de nous-mêmes et nous transformer et nous guérir. Donc c'est tout un art de pratiquer. Donc vous-même, bon, nous ici au village, on offre quelques méditations guidées qui sont souvent des méditations assez simples, mais il y a des méditations qui sont très profondes que vous-même vous pouvez vous guider, les apprendre par cœur ou alors vous enregistrer et écouter votre voix. Aussi maintenant avec la technologie actuelle, maintenant il y a en anglais, il y a Plum Village App. Il y a une app, c'est ça, une application sur laquelle vous pouvez aussi trouver des méditations guidées et qui vont vous aider vraiment à pénétrer à l'intérieur de choses qui sont enfouies et qui vont se dévoiler et qui vont pouvoir être transformées. Donc, c'est ça, un peu ce... La méditation, c'est, comme on disait, c'est une rencontre sereine avec la réalité de nous-mêmes et la réalité des choses autour de nous. Pas simplement de... Donc, bien sûr, il y a des moments où on a envie d'être simplement dans un état de calme et c'est ce que l'on a besoin. Et on n'a pas envie de partir trop dans le regard profond ou la contemplation. Donc, il faut savoir aussi quel est votre besoin. Là. Alors, dans les méditations par rapport au corps, hein, il y a aussi des méditations qui sont là et qui demandent à ce que l'on soit déjà très solide dans notre pratique de la contemplation du corps. Hein. C'est les méditations sur la décomposition de notre corps. Hein. La nature que notre corps va devenir un jour un cadavre et se décomposer. Et donc il y a des méditations qui vont nous aider à nous familiariser avec cette idée de la mort, cette idée de l'impermanence du corps, cette idée que un jour nous tous notre corps va retourner à la terre et se transformer et repartir. Donc, pour faire ces méditations, il y en a plusieurs. Il y a la méditation, la décomposition de notre propre corps, de notre bien-aimé, ou de la personne contre laquelle on est en colère aussi. Et ça, ces méditations demandent à ce qu'on soit assez solide et fort dans la pratique. Et ce sont des très belles méditations. Il y a aussi une des méditations qui est très merveilleuse, vraiment merveilleuse, c'est la nature de non-naissance et de non-mort. Et là, c'est la nature de non-naissance et de non-mort de mes yeux grâce à l'inter-être. C'est-à-dire de voir qu'on peut être conscient de nos yeux. Là, nous tous, nous avons des yeux, hein, pour voir. Vous avez des yeux? Oui? Oui? Ok. Donc, on peut sourire à nos yeux. C'est merveilleux d'avoir des yeux. Ils nous permettent de voir toutes sortes de couleurs, la beauté tout autour de nous. Donc, il faut sourire. Et donc, on peut voir que nos yeux viennent de la réunion des quatre éléments. Ils sont faits de la terre, du feu, de l'eau, de l'espace. Donc, on contemple cela. Et quand ces quatre, il manque un de ces éléments, la dissolution de ces éléments, nos yeux vont... cesser d'être, hein, n'est-ce pas? Oui. Il y en a une de nos sœurs qui a perdu un de ses œils, elle est assez jeune, hein, et ça fait prendre conscience quand on a un des organes des organes dans notre corps qui ne fonctionne pas, combien chaque organe est précieux. Et combien peut-être il y a une condition qui fait, cette condition est retirée et l'organe ne fonctionne plus.
Et si nous avons des organes qui fonctionnent bien, c'est leur sourire et leur dire merci, pas prendre pour acquis quelque chose. Donc j'inspire, je vois aussi que mes yeux peuvent contenir les rayons du soleil. Je regarde le soleil, la lune, par exemple, et hop, il contient cela. Et je vois aussi que mes yeux peuvent contenir le cosmos tout entier. Et donc, je peux voir la nature de l'intérêt de mes yeux. Et on peut faire ça avec tous les différents organes de notre corps. Et on voit, la méditation se termine en disant, j'inspire, je vois l'un comme base de tout, du tout. J'expire, je vois le tout comme base de l'un. J'inspire, je vois la nature de non-naissance de mes yeux. J'expire, je vois la nature de non-mort de mes yeux. Donc, dans toutes ces contemplations du corps, une des autres méditations, c'est sur l'impermanence du corps. Donc, tout est impermanent, tout se transforme, et grâce à cela, tout peut exister. Si notre corps n'était pas impermanent, donc nous serions toujours... un enfant ne grandirait jamais. La plante, comme par exemple l'orchidée, ne pourrait pas devenir une orchidée. Ou le lotus qui poussait dans le temps de lotus ne pourrait pas devenir un magnifique lotus. Une autre méditation que moi-même j'ai aimé beaucoup et que j'ai pratiqué beaucoup avec, c'est la nature de non-naissance de l'eau, des vagues et de moi-même. Et c'est de voir, si vous contemplez l'océan, on peut voir la vague se former et ensuite la vague se dissoudre. Et donc on peut voir la nature de non-naissance de la vague et la nature de non-naissance, de non-mort de la vague. Elle retourne à l'océan. On va écouter un son de cloche. Ensuite, la prochaine section du livre, et qui sera les sensations. Donc, nous sommes composés nous avons plein de sensations, et les formations mentales. Ce sont les deuxièmes et le troisième établissements de la pleine conscience. Les sensations dans les sensations. Alors, c'est observer nos sensations quand elles apparaissent, quand elles durent, quand elles disparaissent. Est-ce que j'ai une sensation agréable? Si j'ai une sensation agréable, ma tendance va être de vouloir me l'approprier et la garder. Si j'ai une sensation désagréable, ça va être de la repousser et de vouloir m'en éloigner. Et une sensation neutre, et la plupart de nos sensations sont neutres, c'est-à-dire que, bof, c'est là. Ou alors ça peut être un peu mixte, nos sensations. Donc c'est de pouvoir reconnaître, il y a une sensation désagréable qui est là, puis de la voir, elle va durer, mais elle va passer, parce qu'elle est impermanente. C'est-à-dire que nos sensations, si vous observez que vous avez, par exemple, une douleur physique, ou une souffrance mentale, une insatisfaction, c'est de savoir, ça va passer. Or, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on la grippe, et en fait, elle va devenir une formation plus en plus importante. Ça devient un bloc de glace. Mais si vous regardez, si vous avez une douleur physique, si vous observez la douleur physique, par exemple, elle change, elle a plein de textures, elle se transforme. Et une douleur mentale, c'est la même chose. C'est l'observer qui voit, et puis elle va disparaître, après il y a autre chose qui va venir. Donc on dit les sensations et les formations mentales. Donc tout,
Tout est une formation, une fleur, on appelle une formation une fleur, hein, parce qu'elle est composée de plein de choses qui fait qu'elle est, c'est une fleur, hein, une désignation conventionnelle, le nom fleur. Hein. Ou alors, par exemple, notre colère est une formation mentale. Elle est formée de plein de différentes choses. Hein. Donc on va appeler une formation mentale. Hein. Et quand une formation mentale surgit, on sait qu'elle est là. Comme par exemple, si je suis en colère, l'important c'est de reconnaître, ou si je suis agitée par exemple, c'est de reconnaître il y a de l'agitation en moi, je suis agitée. Et de ne pas mettre de côté ça et repousser, non, je ne suis pas agitée. Non, je suis agitée. Et donc c'est... Et de pratiquer la pleine conscience et de ne pas, c'est ne pas se dire je ne suis pas agité, d'essayer de ne pas être agité, mais c'est de reconnaître et d'accepter en soi, c'est-à-dire je suis agité. J'inspire, je reconnais qu'il y a de l'agitation en moi, ou je reconnais qu'il y a de la confusion en moi, ou je reconnais qu'il y a de la joie en moi. Donc s'il y a de la joie, peut-être je vais décider de nourrir cette joie. Et si je reconnais qu'il y a de la confusion ou de la tristesse en moi ou de l'agitation, Sœur Daonim, tu es agitée ou tu es un peu triste. Et de respirer avec et peut-être de comprendre, peut-être de regarder profondément qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui a amené qu'il y ait cette tristesse. Je ne pense pas que je vais écrire les autres lignes parce qu'il est déjà quand même un peu tard. Et donc il y aura pour chaque fondement ici et chaque phrase ici, il y a chaque élément, il y a quatre phrases comme celle-ci qui vont correspondre aux sensations, qui vont correspondre à l'esprit, aux formations mentales, pour les objets de l'esprit. Donc c'est comment restaurer la beauté en moi. Si par exemple je suis passée à travers une dépression et puis je ne peux plus du tout rentrer en contact avec les merveilles de la vie autour de moi, qu'est-ce que je peux faire, hein? Alors il y a des... Et je me suis emprisonnée dans les soucis, dans les peines, et je n'arrive pas à m'en sortir. Or, il y a des méditations guidées. On peut prendre une méditation guidée et on peut amener dans notre conscience des images de beauté, des images de la nature. Et petit à petit, on va s'apercevoir que grâce à ces images, ça va nous reconnecter avec les merveilles de la vie. Par exemple, ici, c'est me nourrir et me guérir avec les merveilles de la vie. Donc j'inspire, je suis en contact avec l'air pur. J'expire, je souris à l'air pur. On essaye, ainsi on guide notre esprit, on se guide à se remettre en contact avec les merveilles de la vie. J'inspire, je suis en contact avec l'air pur de la montagne. Ça peut être aussi la campagne, se mettre en contact avec l'eau fraîche, avec le ruisseau limpide. Donc toutes ces images que l'on va mettre dans notre esprit, alors peut-être c'est une méditation guidée qu'on va utiliser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et après ces méditations, on sort dans la nature et on s'aperçoit qu'en fait, on voit la nature avec d'autres yeux et ça nous a ramené à être en contact avec les merveilles de la vie qui sont autour de nous. Donc, me nourrir et me guérir avec la pleine conscience des contacts sensoriels, reconnaître et embrasser mes sensations. Et qu'est-ce que j'arrose quotidiennement dans ma conscience? Donc, c'est des méditations qui vont nous aider. Regarder profondément les quatre nourritures de ma consommation quotidienne. Et ça, ce sont des méditations qui sont cruciales pour notre bien-être et pour celui de notre planète. Et, par exemple, cette méditation.
qu'est-ce que je consomme quotidiennement. Donc peut-être on s'aperçoit qu'on a envie de changer notre consommation quotidienne et on ne sait pas comment le faire. Donc on peut guider notre esprit, on peut s'entraîner, en fait entraîner notre esprit à porter son attention sur d'autres choses, hein, d'avoir une attention appropriée. Donc j'inspire, je suis conscient de la nourriture comestible que je consomme quotidiennement. J'expire, je vois l'effet de ma consommation dans ma propre vie. Donc j'inspire, je suis conscient de l'effet de ma consommation dans l'univers. J'expire, je suis déterminée à manger de manière à réduire la souffrance des êtres vivants. J'inspire, je suis consciente des impressions sensorielles que je consomme quotidiennement. J'expire, je suis consciente de leur effet sur mon état émotionnel. J'inspire, je suis consciente de l'effet de ma consommation des impressions sensorielles dans la société. J'expire, je suis déterminée à sélectionner mes impressions sensorielles. J'inspire, je suis conscient des intentions et des aspirations que je consomme quotidiennement. J'expire, je vois leur effet dans ma vie. C'est la même chose aussi dans la société. Et puis, il y a aussi, j'inspire, je suis conscient de la conscience collective qui me nourrit quotidiennement. J'expire, je suis conscient que la conscience collective est faite de ma conscience individuelle. J'inspire, je suis déterminée à me protéger des aspects négatifs de la conscience collective. J'expire, je suis déterminée à contribuer positivement à la conscience collective. Donc quelquefois, pouvons nous demander, est-ce que je peux avoir une action sur... autour de moi. On peut tomber dans le désespoir en se disant « mais je ne peux rien faire hein. ». Mais au contraire, on peut, en guidant notre esprit et en posant notre esprit sur ces différentes phrases qui nous sont proposées, en fait, nous allons remplir notre esprit et tout notre être avec une direction de vie. Ça va nous aider. En fait, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Hein. On peut s'asseoir quelques minutes le matin, lire une ou deux phrases, les apprendre, ou pendant la journée, les laisser revenir en nous. Et ça va nous aider. Vous allez voir que, au lieu d'aller dans une direction de consommation qui va nous amener du mal-être et amener du mal-être à la société ou aux personnes autour de nous, ou de la souffrance, en fait, on va choisir une autre direction. Une direction vers le bien-être, vers le bonheur, hein, pour nous-mêmes, et pour toutes les personnes autour de nous. Dimanche dernier, Sœur Honi m'a parlé beaucoup des souffrances, de l'insatisfaction. Elle a parlé, si je me souviens, des quatre vérités nobles aussi, et comment s'occuper de notre souffrance, hein, de notre insatisfaction. Et la tendance, souvent, c'est de les rejeter, de ne pas vouloir que ça fasse partie de nous-mêmes, hein, de les nier. Mais à partir du moment où nous allons les accepter, leur sourire, hein, j'ai mal, je souffre, hein, je sais que c'est difficile. Donc on peut faire la connaissance de notre souffrance, de nos formations mentales qui nous font souffrir, de notre douleur, hein. On fait la connaissance, on les rencontre, on les pénètre, on met la lumière de la pleine conscience dessus. Et donc c'est un retour vers nous-mêmes. Et comme je disais au début, on prend un bain de boue, mais joyeusement, comme nos amis l'ont fait pour nettoyer notre petit étang de lotus, on prend un bain de boue quand on se sent suffisamment stable et fort, et de cette boue va pousser un lotus ou la fleur que l'on est, une fleur magnifique qui va pousser, une compréhension. Toutes ces méditations guidées vont nous aider à faire cela, à nous transformer. Mais c'est un travail de patience, de savoir comment choisir, hein, quelle méditation. Et de ne pas
sauter les méditations de base, qui sont vraiment des méditations sur le corps, la respiration, le moment présent. Toujours commencer nos méditations par le retour à la respiration, le retour au corps, hein, et de savoir, là je me sens pas assez bien pour faire telle ou telle méditation qui va m'amener trop dans, de m'échapper de moi-même, mais de plutôt rester dans quelque chose que peut-être aujourd'hui j'ai besoin de me nourrir des merveilles de la vie, de revenir dans mon corps, d'être bien. Donc c'est de faire ce parcours de découvrir, hein, de vous découvrir vous-même. Ensuite, la dernière partie du livre, c'est les objets de l'esprit. Et là, les objets de l'esprit, sont composés de 4 éléments qui sont très importants. Et c'est donc d'être conscient de la nature de l'impermanence de toute chose. Et là, je vais écrire donc ces 4 phrases ici qui correspondent à ça. Conscient de la nature de l'impermanence de toute chose. Et de sourire à cela. C'est un fait, tout se transforme. Ensuite, la nature de toute chose qui ne mérite ni désir ni attachement. Peut-être qu'on désire des choses ou s'attache à des choses qui en fait nous font souffrir. Peut-être on s'attache à notre idée du bonheur, hein, et cette idée que l'on a du bonheur, c'est justement ça qui nous fait souffrir. Hein. Donc c'est de voir est-ce que je suis à quoi je suis attachée, à quoi où se porte, que si je désire quelque chose, est-ce peut-être c'est ce désir qui me fait souffrir, hein, et de reconnaître, est-ce que ce désir ou cet attachement, est-ce que ça, c'est pas ça qui me fait souffrir, hein. Et puis de contempler la nature de non-naissance et de non-mort de toute chose. Et de lâcher, ça nous permet de lâcher prise avec douceur. On sourit en voyant que le lâcher prise de cette idée, par exemple, c'est peut-être l'idée que mon corps va rester toujours jeune et vigoureux et que, bon, si je parle de moi-même, que je vais pouvoir, j'aime beaucoup faire de la randonnée en montagne, mais que si je suis attachée à l'idée que mon corps devrait pouvoir faire de la randonnée en montagne tout le temps, donc je suis attachée. Mais cet attachement, en fait, je vais regarder avec la méditation, je vais regarder en fait la nature de l'impermanence de mon corps. Le corps, il se transforme, il change, et c'est un processus naturel. Il perd certaines facultés. Et donc, je le reconnais, bon, c'est normal, ça fait partie du cours de la vie. Et je vois que, avant d'être nonne, j'ai été mariée, j'ai une fille. Hein, donc ma fille, elle continue, elle fait de la randonnée, elle va dans la montagne, où il y a des amis, où
ou des frères, des sœurs qui marchent. Et donc, il continue aussi cette marche. Et donc, je lâche prise, je souris, je lâche prise, je dis, c'est OK, c'est plus quelque chose que je peux faire, et ça va, accepter. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais bon. Et une chose, c'est dans ce... par rapport à l'impermanence, c'est de... ça va nous permettre de chérir la vie dans le moment présent, de vraiment voir combien la vie est précieuse. Et aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, ça nous force à voir, à regarder profondément et que de voir que notre propre planète et toutes les espèces sur Terre qui y vivent sont également impermanentes. Et cette prise de conscience peut nous amener dans un certain désespoir. Mais si on sait que ça fait partie de la vie, les choses sont impermanentes. Si on accepte cela, et que ça va nous amener une certaine paix qui va nous permettre de pouvoir savoir quoi faire, qu'est-ce que je vais arrêter de faire et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir... quelle est ma contribution à ce dérèglement climatique? Quelle est ma contribution à cette destruction sur Terre? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que je peux transformer dans ma vie de tous les jours? Dans l'enseignement aussi du Bouddha, une chose qui est très très belle, hein, qui est le non-soi. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à toucher en nous. Qu'est-ce que ça veut dire le non-soi? Or, hein, il y a une méditation que peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait, et qui est la méditation sur prendre soin de l'enfant blessé en nous-mêmes, l'enfant blessé en nos parents. Et c'est une méditation qui va nous guider à reconnaître qu'en chacun de nous, il y a un enfant blessé. Même si peut-être on a eu une enfance heureuse, mais souvent un enfant a entendu des mots, où il y a des blessures qui ont été là, qui restent en nous et qui agissent et qui se montrent dans notre comportement d'aujourd'hui. Il y a aussi, ça nous met en contact avec l'enfant blessé de nos parents qui sont encore en nous. Donc l'enfant blessé de nos parents en nous se manifeste en nous dans le moment présent. Donc c'est une méditation qui nous permet de toucher le non-soi dans notre vie quotidienne, hein, et de voir nos ancêtres en nous-mêmes. Et la dernière méditation dont je vais parler de ce livre, c'est toucher le Bouddha en nous-mêmes. C'est-à-dire en chacun de nous. Nous, dans la tradition bouddhiste, on dit que chacun a la nature de Bouddha. Donc, comment est-ce que je peux toucher la nature de Bouddha en moi-même? Donc, une très belle méditation. On commence, je laisse le Bouddha s'asseoir, hein, et moi-même, je n'ai pas à m'asseoir. Hein. Donc, par exemple, moi, j'aime beaucoup me dire, avant de venir enseigner, j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire, j'inspire, le Bouddha respire. J'expire, je laisse le Bouddha respirer, je n'ai pas à respirer, mais surtout, j'inspire, je laisse le Bouddha enseigner, j'expire, je n'ai pas à enseigner, j'inspire, voilà, je laisse Thaï enseigner, j'expire, je n'ai pas à enseigner, et de vraiment sentir, de laisser la nature de Bouddha en nous être là. Et peut-être on se sent... dans notre vie, il y a des moments où on sent, qu'est-ce que je peux faire?
j'y arrive pas. On peut peut-être se sentir devant, comme devant un mur ou quelque chose que l'on n'arrive pas à franchir. Et on peut simplement se dire, j'inspire, je laisse le Bouddha faire pour moi. J'expire, je souris, je me relâche, je ne fais plus d'efforts, je laisse le Bouddha faire pour moi. Mais ça peut être, bien sûr, dépendant de votre tradition, ça peut être Jésus, ça peut être quelqu'un qui nous inspire et qui, on sait que la personne va nous donner de la force. Donc, on laisse cette force à travers nous, la force de nos ancêtres, en fait, faire le travail pour nous. On peut se reposer. Notre maître Thaï racontait l'histoire de que dans les, on faisait beaucoup de marches méditatives dans des grandes villes. Et si vous avez déjà voyagé avec Thaï et fait des méditations avec lui dans des très grandes villes, c'est bon, il y a beaucoup de monde. Et quelquefois, dans certains pays, il y a beaucoup de personnes qui prennent des photos. Et racontait qu'une fois, particulièrement en Corée, il y avait plein de photographes et de télévisions qui étaient devant Thaï. C'est-à-dire, lui, il essayait de faire la marche méditative et devant lui, il y avait toute cette marée de caméras et de photographes et, qui étaient là devant lui. Et il disait qu'à un moment, il s'est dit, c'est pas possible, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas marcher. Donc, il a dit, ok, Bouddha, c'est toi qui marches. Moi, moi, j'y arrive pas. Alors, c'est toi qui marches, Bouddha. Et il a laissé comme ça le Bouddha et les choses, bon, les personnes se sont déplacées pour laisser passer. C'est quelquefois, on peut ressentir que l'énergie autour de nous est trop forte et que nous-mêmes, on peut se sentir, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas. Donc, c'est lâcher puis laisser tous nos ancêtres, nos maîtres spirituels faire pour nous. Et c'est beaucoup plus facile comme cela. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et donc c'est un très très beau livre que vraiment je vous recommande d'avoir sur votre table de nuit, à côté, partout où vous allez. Vous pouvez prendre ce que je faisais aussi moi, je marquais sur une feuille que j'emportais avec moi. Même je continue encore certaines méditations quelquefois. J'ai dans ma poche et puis peut-être je marche et puis je regarde une ou deux phrases. Je remets le papier dans ma poche puis je les laisse poser dans mon esprit et je guide mon esprit au lieu de le laisser partir dans plein de pensées qui ne sont pas forcément utiles. En fait, j'entraîne mon esprit d'aller dans une direction que j'ai envie d'aller. Et ces méditations, elles nous emmènent dans des endroits qui sont extraordinaires de nous-mêmes. Un trésor, ça nous permet de découvrir tout le cosmos tout entier qui est là à l'intérieur de nous-mêmes et de le voir à l'extérieur et de rentrer en contact aussi avec tout... nos ancêtres, nos bien-aimés qui peut-être ne sont plus vivants, mais ils sont vivants à l'intérieur de nous, de pouvoir les sentir marcher en nous, avec nous. Et donc ce sont des... oui, un trésor. Et ce que je voulais vous suggérer aussi, et très bientôt vous aurez un enseignement avec Sœur Tunim, Sœur Eleni, sur le Sutra de l'amour, le Sutra de l'amour bienveillant, Metta Sutra, et qui est un sutra aussi que moi, personnellement, je l'ai déjà dit, je lis tous les jours. C'est un très très beau sutra qui aussi dirige mon esprit dans une belle direction. Et là, je vais écrire sur le tableau certains livres de Thaï que, si vous ne savez pas quoi acheter, que vous pouvez acheter, qui sont des très très beaux livres. Et que je vous recommande de voir. Donc, bien sûr, c'est le livre Un lotus s'épanouit, hein, celui qu'on vient d'étudier là, en anglais ou en français. En anglais, c'est Blooming of a Lotus. Un autre livre qui est très, très beau,
et dans lequel vous pouvez trouver aussi le Napanasati Sutra avec des commentaires, hein, c'est prendre soin de l'enfant intérieur. Hein. C'est un livre très complet. Et c'est un livre aussi dans lequel vous pourrez trouver des pratiques concrètes pour rentrer en contact avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Mais cette partie de nous qui, quelquefois, on ne sait pas, il y a une partie de nous, on ne sait pas d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, il y a plein de pratiques très concrètes. Qu'est-ce que je peux faire pour découvrir ce qu'on appelle cet enfant, l'enfant intérieur. En anglais, ça s'appelle reconciliation. Et l'autre livre qui est sur le Napanasati Sutra, la pleine conscience de la respiration, ça s'appelle « La respiration essentielle ». Et là, vous avez le sutra ainsi que les commentaires de Thay. Et en anglais, c'est « Breathe, you are alive ». Et l'autre qui est sur le Satipatthana Sutra, qui est « Transformation et guérison ». Et en anglais, c'est « Transformation and Healing ». Bien sûr, il y a beaucoup d'autres livres. Hein. Et si vous voulez aller un petit peu plus dans la psychologie bouddhiste, c'est « Transformation à la base hein. ». Transformation at the Base, which is, qui est aussi un très beau livre. Mais là, ça correspond un peu plus à ce, qu'on a, de ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, chers amis, pour votre écoute, votre présence. Et je vous souhaite une très très belle journée de pratique tous ensemble ici au hameau nouveau. Et je ne sais pas, est-ce qu'elles ont nettoyé les temps de lotus? Oui, ah oui, vous êtes baigné dedans ou pas? Non? Non? Quels sont les est-ce qu'il y a des amis, je sais qu'il y en a certaines, quels sont les amis qui ont pris des bains de boue au hameau du bas? Voilà, Anne-Claire qui lève la main très haut, elle faisait des postures de yoga avec Simone, je crois, non? C'est ça, hein? Ouais. On avait du mal, j'essayais de les reconnaître. L'avantage, c'est qu'avec les cheveux, on pouvait quand même pas mal reconnaître qui était qui. Et c'était très beau. C'était vraiment un spectacle magnifique, hein, qui vraiment a nourri mon cœur de ma joie. Donc, merci beaucoup, chers amis. Et on va écouter 300 de cloche. Hein. Thank you.
Mmh.